suis un ange crucial. Waouh! On connaît? Chut, il faut que je te parle de moi. Ça va te faire plaisir de me voir. Ah, normal, je sais. Dis-moi, tu trouves comment? Tu te bagasses, hein? Si c'est le cas, dis quoi? Quoi? On a tellement en commun, toi et moi. Souvent célibataire, hein? Normal, on peut pas être partout. Allez, excuse-moi, parler de moi. Cette victoire à toute mon équipe, à tous les coureurs qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. C'est sympa, il y a du potentiel, mais c'est pas pour moi. Stop! Plus près. Zoom! Ah, bah voilà! Bon, alors. Paul Jacquemin, 27 ans, célibataire, sans enfant. Encore un type banal, quoi. Oh, et en plus, il est cycliste. La vache, il est canon! Ah, on parle de moi? Oh, j'ai la dalle. Oh, les gars, laissez tomber, hein. Il a pas mis de pourboire, il est pour moi. Je crois que tu rêves. Dans ce cas-là, quel meilleur gagne? Oh, si vous m'avez laissé plus de temps, je l'aurais eu. Oh, est-ce qu'ils sont bons ces croissants? Vous en voulez un? Non, merci, je viens de déjeuner. Oh, croissant, ça se refuse pas dans les petits non, insectes. Vraiment, sans façon. Vous, c'est quoi? Déjeuner? Oh, il reste du chocolat. T'as encore faim? Elle au moins, elle a bien mangé. J'ai envie, moi aussi. Le croissant? Non, je vais jauger. Non mais t'as cru que c'était la fête là, en sérieux? C'est mon tour. Arrête de taper du... Eh mais elle est sérieuse? Tu t'es fait avoir. Non mais ça va là. Excusez-moi. Oui. C'est vous, Paul Jacquemin? Sérieuse là? Oui mais on se connaît. Eh arrête ton baratari après, sinon ça va barder là. Qu'est-ce que vous... Pardon? Eh hey, mais elle me saoule, comment elle parle! Abréjons. Quel est votre péché? Toi, t'es toujours en kiff sur elle. Ouais, mais allez, viens avec Mathieu. Tu vas rien tenter? Vous étiez pas pécho en soirée? Pff, non, quasiment rien. Et puis j'ai pas envie d'un coup d'un soir. Eh hey, mais t'es sérieuse là? Tout ça pour ça? Laisse faire les pros, oh, vraiment. Cocotte, calme. Quoi? Mais qu'est-ce que... Mais je suis parfaitement calme! J'espère que ce sera encore le cas quand je serai revenu. Loser! Eh mais franchement! Eh mais je te jure, je vais me le faire! Je vais me le faire! T'aurais pas un euro? Non, désolé, j'ai rien sur moi. Non, vraiment, j'ai même pas eu de quoi laisser une pièce en pourboire au café. Bla bla bla. Bref, on a tout cette arme. T'es fou, c'est beaucoup trop. Oh, maman, tu sais, quand on aime, on compte pas. Même si ça fait mal. Bon, c'est bon, là, vous êtes contente, je peux y aller. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? J'y vais, justement, j'y vais. Quelqu'un qui voulait piquer ton portefeuille, mais... C'est gentil. Bon, j'ai la furie, quoi. Fais péter. C'est meilleur. Toi, tu t'es prêté pour en avoir. Pardon? Bon, personnellement, moi, j'ai rien à rajouter. Eh ben, je vois que j'ai bien fait de m'en reposer. Comment pas à la hauteur, hein? J'ai ton tour, regarde. T'as écrit, j'ai pas bougé d'un poil, ça sert à rien. Comment ça, ça sert à rien? Je sais pas, là. J'émerge, je t'avoue. Et Dieu sait à quel point j'ai horreur de me faire tirer du sommeil parce que vous êtes incapable de vous départager. Vous savez quoi? Il a pas l'air si méchant que ça, ce mec-là. Il a un petit morceau de nous. Il est fier quand il court le jupon, nerveux quand il a pas mangé, envieux des amoureux, mais pas assez pour plus aimer. C'est un homme quoi, un homme simple. Il se suffit à ce qu'il a. Peut-être que si vous ennuyez tant que ça, c'est qu'il fond de vous, vous savez qu'il sera plus heureux que nous vous le serez jamais. Je sais que vous aimez ce que vous faites, mais admettez la vérité, on n'a jamais eu le chômage.
On n'a jamais eu aucune pause sieste. Et la retraite, je sais pas si on va la toucher un jour. Et jugement après jugement, on n'a jamais eu aucune de leurs compensations. Et pourtant, à nos sept, on est ce qui se rapproche le plus de l'humanité. Il serait peut-être temps de changer quelque chose. Vous en pensez quoi ?